Le VIH viral indétectable, il ne peut plus transmettre le VIH, même lors de rapports sexuels sans préservatif. Dans ce stand, on déconstruit des préjugés. Oui, on peut être séropositif et ne pas être contagieux. Maintenant, les gens qui ont le VIH, je peux quand même avoir des enfants, continuer à faire l'amour, etc., sans forcément le transmettre. 20 000 personnes vivent avec le VIH en Belgique. La sensibilisation et le dépistage sont importants aujourd'hui car le virus existe encore, mais... Le mais, c'est qu'effectivement, on peut aujourd'hui vivre correctement avec le VIH puisque les traitements sont devenus tellement efficaces qu'ils permettent aux personnes séropositives d'avoir ce qu'on appelle une charge virale indétectable, c'est-à-dire presque plus de virus, et surtout de ne plus le transmettre. Ces avancées médicales datent de 2008. Pourtant, la loi oblige toute personne séropositive à informer son partenaire, même s'il n'est pas contagieux, avec dans certains cas, des peines de prison. Entre 2000 et 2010, il y a eu plusieurs cas. Ensuite, il y a eu deux cas encore en 2011 et 2015 de deux personnes qui ont fait de la prison ferme pour non-divulgation de leur statut sérologique avant un rapport sexuel. Alors que par exemple, le dernier cas, celui de 2015, la personne avait une charge virale indétectable et donc ne faisait courir aucun risque à son partenaire. Un changement au niveau de la législation est une chose, mais il faudra aussi faire changer les mentalités. C'est déjà suffisamment compliqué aujourd'hui que de vivre avec le VIH, que d'en rajouter une couche en rejetant et en stigmatisant les personnes séropositives. La secrétaire d'État fédérale à l'égalité des chances a apporté son soutien au combat des associations. Cette loi pourrait donc bientôt disparaître.